Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'émission Info VIH Sida qui sont émission live qui passe sur page Facebook campagne E égale E indétectable égale intransmissible qui c'est en campagne qui mettait en œuvre par Panos et PNLS grâce à un financement de PEPFAR et USAID. Non pas mais c'est Winnie Hugo Gabriel et pour troisième sortie ça nous gagnons comme invité Dr Steve Smith et Monsieur Thierry Pierre. Bonjour Dr Smith, bonjour Monsieur Pierre et m'abano en minute pour nous présenter tête notre côte. Donc bonjour, merci Winnie et moi c'est Dr Steve Smith, m'a travaille pour ministère de santé publique au niveau de unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles. Plus précisément au niveau du PNLS, qui est le Programme national de lutte contre le sida. Donc, moi, c'est responsable service prévention au niveau de l'unité SAR. Bonjour, Monsieur Pierre. Bonjour, Winnie. Non, pas Monsieur Jerry. Moi, c'est un jeune, tout jeune. Moi, c'est un étudiant et puis moi, c'est au PrEP. Donc, moi, on a parlé de PrEP. Effectivement, aujourd'hui, en but émission, c'est permettre de comprendre plus bien qui ça PrEP l'en y est. On aborde toute information qui est relative à traitement ça, PrEP, qui c'est prophylaxie, pré-exposition. Docteur Smith, parlez-nous de PrEP, là. Qui s'allie et dans quelle situation nous allons utiliser? Bon, PrEP, c'est une méthode de prévention médicamenteuse, c'est-à-dire que nous avons pris un médicament pour protéger la tête contre VIH-SIDA. Mais il faut noter dans le cas ça, que pour ces deux individus qui beaucoup atteignent ou bien qui beaucoup prennent le virus VIH-SIDA et qui permettent de protéger la tête de cas où ils ont un rapport sexuel non protégé avec un monde qui que le connaît ou bien qui supposément VIH positif. Donc ça veut dire PrEP plan c'est pour monde qui pas gain sida, pas vrai? Donc et qui ca en affaire avec des monde qui ca gain et virus là dans sang. Bien sûr. OK. Depuis que le traitement ça disponible en Haïti? En Haïti, le traitement ça disponible depuis mi-2019. Donc, depuis le SA, nous commençons à déployer une stratégie sur le territoire national. Et combien de monde qui est sous PrEP? À nos jours, nous avons environ 7000 personnes sous PrEP. Et chaque jour qui a passé, nous avons plus de monde qui a venu et des PrEP. Ou bien, nous-mêmes, tout, et au niveau du prestataire de soins, nous avons intéressé les gens qui arrivent sur une prendre PrEP. Dans quel ça, traitement ça consiste? Est-ce que y a des médicaments pour chaque jour? Comment ça passe? Pour le moment, la stratégie que nous avons employée là, c'est les médicaments effectivement que nous prenons une graine chaque jour. Donc, mais il y a l'autre méthode que nous avons travaillé sur qui venir, côté que par rapport à l'événement que nous avons un rapport sexuel non protégé, nous avons choisi de l'autre méthode que nous-mêmes nous avons introduit au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a une restriction pour prendre un traitement ça ou bien n'importe qui est capable de prendre? Bon, ça qui est important, c'est que automatiquement que un monde éligible pour PrEP ou bien un monde vivement de PrEP et que ouais que lui éligible, centre de santé côté que lui a un médecin avec l'autre personne qui a évalué mon ça pour lui ouais s'il est éligible pour PrEP là et s'il est capable. Donc il a évalué médicalement et psychologiquement pour ouais que s'il est capable. OK, là on va besoin de petits détails, qui ça qui fait un monde éligible pour lui sous PrEP? Premièrement, l'éligibilité au monde, c'est un monde qui a risque au VIH-SIDA. Donc, automatiquement, que le monde a déterminé tête à risque, dit que même les gens ont cherché information, et puis pour la demander pour le mettre sous PrEP, et puis après évaluer pour être sûr qu'il aller sous PrEP. Ou bien encore, si c'est un monde que vous évaluez après un test VIH négatif, que le monde a un risque, vous pouvez offrir le PrEP, et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller mettre sous PrEP. Monsieur Pierre, ou même ou fait expérience PrEP là. Comment vous t'êtes entendu parler de un traitement ça et qui ça qui t'a motivé à aller faire traitement? Tout d'abord, oui, moi t'ai levé au matin et puis me dit que je voulais constater sur VIH. Je vais me dans le centre de santé, c'est JC Ménard. Et puis moi fait un test VIH et puis me testé négatif. Et puis de là étant, moi quand t'ai parlé de PrEP et puis personnel de santé parlé de PrEP. Et puis les me regarder taux prévalence VIH dans parmi jeunes de l'âge moyen. Et puis moi comment que nous gagne de nouveaux cas capté ces positifs me dit que même son jeune tout donc on a avec jeune pareil moi qui dans l'âge moi et qui bon taux qui très haut dans monde qui testé positif donc il me dit que est-ce que plus PrEP est-ce que me capable PrEP deuxième que oui moi capable prendre PrEP mais pour ça faut que je pose des questions et puis moi montrer que but pam qui fait qui
voulait que moi un besoin PrEP et puis il était fini par accepter et puis il était bon PrEP. Ok. Docteur Smith, est-ce que tu as dit que il y a des restrictions, c'est pas tout le monde qui est sous PrEP. Maintenant, bah nous plus de détails sur ça. Maintenant, tout, des fois, lors pour un traitement, ça arrive que il y a des effets secondaires. Est-ce que les mounes sous PrEP, ils ont développé des effets secondaires tout? Bon, pour une partie question, non, d'abord, première restriction pour un monde qui n'a pas sous PrEP, c'est un monde qui VIH positif. Donc, et on nous remet des têtes, nous, on nous regarde que PrEP là, son stratégie qui fait pour un monde qui est beaucoup ou bien qui n'est pas infecté par VIH-Sida. Maintenant, il y a une autre restriction qui est liée avec les médicaments eux-mêmes. Donc, mais ça encore, c'est le cas pour cas, côté que les prestataires de soins, les prestataires de services au niveau centre de santé, a évalué le client pour voir est-ce que les cas sont prêts ou non. Donc, ça veut dire que normalement, il faut aller dans le centre de santé oui. Pour que vous fassiez un bilan de santé. Pour vous faire une évaluation et après évaluation, la prenez si les cas allaient sous prêts ou non. Ok, maintenant, sous question effet secondaire. Sous question effet secondaire, la molécule que nous choisissons, alors qui choisit au niveau international, choisit justement pour que ces molécules aient le moins d'effets secondaires que possible. C'est deuxième molécule qui était déjà observée pour traiter les gens qui atteint de VIH. Donc, nous pensons que là, c'est de ces deux effets secondaires vraiment minimes et que nous n'avons pas remarqué dans l'expérience. Et je me souviens que là, nous déjà à plus de 7000 monde sous PrEP, que nous n'avons pas remarqué en pile et cas d'effets secondaires graves ou bien n'est-ce que des cas d'effets secondaires passagers qu'après une semaine qui résout. Ok. Là, M. Pierre, faire comme si vous attendez ça, Dr. Smith, t'es bien. ou même au sous-PrEP. Ouais. Expérience personnelle, est-ce que vous développez des effets secondaires? Est-ce que médicaments lit dérangent ou non, certaines façons? Bon, il y a un temps, je fais un PrEP, docteur, t'es un gueule, nous sommes capables de faire des petits problèmes, etc., nausées, vomissements, pendant une semaine. Mais pour moi, franchement, je n'ai pas gagné du tout. Okay. C'est comme si je n'étais pas en surette et puis je n'étais pas en surette, c'est tout. Je n'ai pas aucun patient qui a rien et quand je suis sur 9 mois là, je n'ai pas senti rien. 9 mois après, donc c'est toujours le même plaisir pour me courir chaque matin et puis rien du tout comme effet secondaire. Par contre, pour l'autre monde, pour moi, rien du tout. Il n'est pas contraignant, c'est pas un bagage qui dérange ou pour prêter attention avec. Quand je ne vais pas déranger, je vais juste mettre dans tout ça que je fais pendant une journée. Je vais juste m'intégrer dans la vie. Donc, quand je me lever, même si je me lever bien le matin, je vais me lever tout le monde. Et puis, comme ça, et puis. Je suis toujours été adhéré après plein et puis sans problème. Je n'ai pas dérangé dans rien. Ok. Dr. Smith, il y a l'autre monde qui, surtout pour filles, là, m'a posé une question pour filles. En fait, tu as dit, bon, il y a un problème pour prendre après plein, mais maintenant, est-ce que ça a un impact sur si je voulais faire petite? Est-ce que un petit monde qui fait pendant on fille et à l'été? À l'été, est-ce, non, pour un monde qui est pour une fille. Pour un petit monde qui fait pendant que tu prends un traitement PrEP, est-ce qu'il y a un risque? Et pour une fille qui a parlé de tout, est-ce qu'il y a un risque? Donc là maintenant, et même quand une femme enceinte, et nous pouvons déployer une stratégie sur la carrière, mais nous pensons à aller, il y a PrEP pour filles enceintes et c'est la même molécule qu'ils ont utilisé. Et en songe tout pour filles qui sont enceintes, qui VIH positif, ils ont mis sur ARV tout. Donc en général, pour PrEP qui est fille enceinte, pas de contre-indication vraiment. Mais Jean Zola n'a pas toujours dit, même là, quel que soit le monde qui prend quel que soit le médicament, il suppose qu'on une évaluation médicale avant que l'album médicament. Ok. PrEP là, fait pour le monde qui n'a pas un VIH, mais qui, pour une raison ou pour l'autre, qui a exposé à virus là. Donc, il protège la tête, qui fait que l'œil sous PrEP là, il n'est pas capable de gagner virus VIH là. Maintenant, est-ce que si on est sous PrEP, est-ce qu'il faut toujours et continuer à avoir un rapport qui protège ou bien il y a un bon agent? Bon, là, et PrEP là entre dans le cadre tout et stratégie que le ministère a développé pour protéger au monde contre le virus VIH-Sida. Et on rappelle la stratégie, c'est d'abord c'est abstinence. Et abstinence, on l'oblige à jamais, il y a abstinence combinée, il y a abstinence passager, et il y a fidélité, donc qui parle de réduire le nombre de partenaires sexuels au monde, il y a un préservatif masculin, qui là ça et gain dans le temps de gain préservatif féminin et qu'on est là nous vinn gain PrEP et songe tout gain PEP qui c'est stratégie de post exposition
côté que un monde qui a fait un rapport sexuel suspect, ou bien par exemple, cas typique concret, c'est le monde qui a un rapport sexuel, une rupture d'un préservatif. Donc là encore, le monde est éligible pour PEP. Donc c'est une combinaison de toutes stratégies que nous avons déjà, que le monde a lui-même qui a décidé qui est ce qui est bon pour lui ou non. Et si mon avis, le monde en vient dans le centre, il a discuté avec les prestataires de services pour déterminer qui stratégie qui est bon pour lui et à un moment donné, qui stratégie qui est bon pour lui ou non. Il y a des gens qui sont venus, par exemple, ils ont un partenaire qui vit à l'étranger et le partenaire est entré, surtout dans le cas de fille, si c'est fille à lui-même qui a moins de pouvoir de négociation de rapport sexuel, il doit utiliser PrEP là. Si conjoint par exemple à vivre ou bien si mon gars un partenaire occasionnel qui vit dans l'autre pays, donc il y a plusieurs façons où mon gars utiliser une ou l'autre de stratégie ça pour empêcher le VIH sida. OK, donc PrEP là c'est une stratégie en plus que mon gars utiliser pour pas prendre sida. Oui. Et effectivement des pour sous PrEP là, li permet tout pas capable de traper virus là. Est-ce que gon quantité de temps pour faire sous PrEP là ou bien on ca décider jodi am sous PrEP? Bon, dans 3 mois, ça va dire qu'il y a encore moins campé. Est-ce que il y a une restriction dans ce sens-là? Non. Donc, la période, j'aime dire là, côté que n'a pas utilisé qu'on est prêt par nos termes, si le risque est imminent pendant 6 mois, on a décidé de prendre PrEP pendant 6 mois, 1 an. Mais songez qu'à chaque fois que on a retourné prendre PrEP, prestataire de service, il y a un devoir pour Yoshita avec mon nom pour faire évaluation de risque à chaque fois que mon a venu dans ça. Mais si un jour que mon a décidé que risque là pas là encore et que avec encore en association avec prestataire de service, on a décidé de sortir sous PrEP. Il a sorti sous PrEP pendant un certain temps, il va remonter sous PrEP pendant un certain temps. J'aime dire là, il a décidé pendant un certain cycle à utiliser l'autre méthode. Donc ça va vraiment varier d'une personne à l'autre. Mais j'aime dire là pour le moment nous avons préparé le terme. Et que nous avons l'autre stratégie l'année prochaine, qui va venir tout, qui va nous donner plus d'options pour monter et descendre sous PrEP, genre que les cas plus optimal pour protéger les tueurs. PrEP, j'en ai doué comprendre, c'est un traitement en plus qui permet de protéger les tueurs contre la maladie SIDA. Maintenant, il y a plusieurs autres maladies qui ont attrapé dans le fait SIDA, c'est un autre. Mais est-ce que le ou sous PrEP, l'IV valable pour toute l'autre maladie autour? Bon, je me dis que PrEP là, c'est une méthode de prévention médicamenteuse, mais uniquement contre VIH-SIDA. Donc, un monde qui est sous PrEP, et là aussi, il n'est pas une méthode de contraception, et il n'est pas une méthode de protection contre l'autre et infection qu'on peut prendre dans le rapport sexuel. Donc, dans le cas ça, En plus de PrEP là que mon apprend, il faut toujours continuer à faire attention. Est-ce que des d'autres conseils que au cabain mon sur point ça? Donc en plus de PrEP là, parce que avec et là moi c'est en tant que professionnel de santé, en toujours du monde faut qu'il voit ça avec prestataire qui en face yo, parce que nous pas là pour nous remplacer prestataire de service yo, parce que c'est une discussion qui vient pour entre mon et prestataire yo. Et encore, le songer que le monde a chaque fois la retourner, il y a un médecin qui a pour elle, et il y a un médecin dans le centre, quel que soit l'autre problème que il y a, ce n'est pas une distribution de PrEP que le monde a fait, c'est que le monde a le centre, il y a un médecin qui a suivi et qui a suivi par rapport à la santé sexuelle. Donc, c'est tout ça, dépendamment de l'individu, dépendamment du centre que l'a suivi, la discussion ça faut que fait entre l'individu et le monde qui a bal service de soins. Monsieur Pierre, ou sous PrEP, Jean-Saud Dimounio là, maintenant comment ça passe? Est-ce que c'est une fois seulement allé dans cette langue pour PrEP et puis ça finit? Mais est-ce que vous avez un rendez-vous? Comment ça passe effectivement? Donc, bon, René, chaque mois, j'ai un rendez-vous pour faire évaluation médicale, test et un peu pour voir si j'ai un problème rein, un problème tension, un problème sucre, etc. Pour voir que j'ai un problème réagir sur la santé. Mais ce n'est pas que des effets qui vont aller face pour moi. Mais jusqu'à présent, tout le bagage est OK. Ce n'est pas aller prendre pour un PrEP et un comprimé. Donc, il y a tout un suivi qui est fait pour le PrEP, pour arrêter ce PrEP, pour faire tout examen médical qui est supposé fait pour ça pour avoir un mauvais effet sur la santé. Maintenant, est-ce que vous payez ou bien c'est gratis, si chéri? Je ne sais pas si je paye rien. Pour le PrEP, c'est gratis. Examen est gratis. Tout le bagage est gratis. Je ne paye rien.
Docteur Smith, on m'a demandé, est-ce que méthode ça sûr? Est-ce qu'elle est sûre à 100%? Est-ce que effectivement le sous préplan pas gain l'autre risque et pour l'autre maladie et il y a pas gain risque de développer de l'autre problème et médical? Est-ce que tout est presque sûr que au pas gain sida? Donc en termes de efficacité préplan, il y a une efficacité qui aller jusqu'à 90%. Et ça, c'est un chiffre qui est plus bas que toute étude de base en termes de sûreté. Donc, c'est une méthode qui est sûre. Mais là, il faut nous toujours mettre en tête que l'observance de la médication, c'est ce qui est plus important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne les gens qui disent là et le pour le prendre. Donc là, tout, si on a même dit qu'on continue à prendre là, ou bien la mal prendre, traitement, ça a une cause que mon arrivé contracté virus VIH là pendant que l'issue prep là. Donc faut être discipliné. Faut être en pile discipline dans la question prep là. Et ça fait que j'en suis déjà, il y a des méthodes combinées tout et bien en conversation, j'en dis surtout à chaque fois que je viens, en conversation entre lui-même et prestataire de service là, sur qui j'en ai évolué, qui j'en ai prep là, est-ce que je voulais continuer, est-ce que je voulais changer. Donc, moi, c'est que le rapport prestataire de service avec le client est très important. Là. OK. Là, comme on a parlé de l'efficacité, tu as l'air de mentionner un autre traitement qui gagne, mais ça, c'est après exposition. Parle-nous une information tout petit sur ça. Donc, là, nous parlons de PEPLA, qui c'est post-exposition au VIH-SIDA. Donc, j'aime de dire que surtout dans le cas de monde qui gagne des accidents après, par exemple, un rapport sexuel, dans le cadre de rapport sexuel. Donc ça veut dire que si nous avons un monde qui a un rapport sexuel, un préservatif qui pète, ou bien si c'est un monde qui sorti pendant une période que content, ou bien il sort un rapport sexuel et puis demain matin le lever dans le dormir, il dit qui ça me fait là à quoi? Si nous avons un rapport non protégé, ou bien que vient faire à quoi réaliser que peut-être monde que le gain rapport là avec là, son monde qui a risque, ça son monde qui ca aller vers un centre de santé pour lui demander PEP et presque toute centre qui bail qui fait traitement antirétroviral, vous savez, les IOVA, qui traite les gens qui ont virus, ils ont même habilité pour les peuples à les gens. Et même pour nous-mêmes, dans le cadre personnel de santé, dans le cadre où on un médecin ou bon infirmière ou bon autre personnel de santé, qui a utilisé des objets tranchants qui blessent et qui a peut-être exposé à VIH, peuples pour les gens. Et très important pour nous, dans le cadre d'agression sexuelle, peuples sont bien que pour aller vers lui. OK. Là, il est vraiment important pour nous préciser ça et permettre pour nous connaître que nous avons le choix. Nous avons diverses méthodes qui sont capables de permettre d'éviter de prendre le virus VIH et préplacer une là-dedans. Vous mentionnez à plusieurs reprises le centre de santé. Maintenant, si vous avez tablé et sous PrEP, qui bon l'ICA aller? Qui centre de santé qui est disponible et dans Port-au-Prince on a qu'à consulter et pour monde qui pas vivre dans Port-au-Prince qui bon au ca aller. Bon d'abord et m'bral dit que dans réseau partenaire niveau par exemple dans réseau Fosref, dans réseau Cerovi que Jerry la donne là, jusque par exemple tout partenaire ça yo offre PrEP. Donc moi pense que ça qui est important que nous ca faire pour auditeurs téléspectateurs c'est que nous ca mettre un lien avec information, une liste complète de côté chaque grain de centre. Il y a environ 40 centres, un peu plus de 40 centres, qui est déployé sur 10 départements du pays d'Haïti. Je pense que la liste est très importante parce que nous sommes capables d'avoir une idée et concrète de qui peut aller. Parce que ça répond à notre question que nous avons posée déjà. Nous avons demandé est-ce qu'il y a des petits signes distinctifs qui permettent de. Mon yo ka wè que ah sans ça mon ka la donne pour prep là sans ça il pas disponible la donne. Donc est-ce que il y a des signes indicatifs qu'on sent à bay prep ou non? Peut-être dans des de centre pour affichage prep dehors, mais moi pense que ça qui est important c'est que dans les salles plus facile côté que mon n'a regarder dans qui département lié dans qui ville lié là la ka jeune prep là et moi pense que n'a pas gagné adresse, n'a pas gagné numéro de téléphone Santio pour mon Dieu même qu'à rentrer en contact directement à Santio si vous sentiez éligible pour PrEP ou bien encore si vous sentiez que vos amis ou vos voisins qui éligible pour PrEP. OK. Maintenant, un bagage qui est très simple, nous pas aimer à la caille docteur.
Nous pas avec entendre parler de ça. Et très souvent l'arrivée dans un centre de santé, accueil moun yo ba ouan li très important pour qu'on si ou continuer. Ou même qui fait expérience pré-plan, comment ça t'est l'autre décidé à chercher plus d'informations sur pré-plan et même décider que vous voulez suivre traitement, comment ça t'est pour est-ce que son bail qui facile? Est-ce que vous êtes chargé là-dedans? Comment ça passé? Bon, clinique côté que moi t'ai allé faire test de dépistage là, c'était une séminaire. Et puis, les arrivé dans la clinique là, moi j'ai eu un bon accueil. Donc, médecin, psychologue, travail social, tout le monde est bien accueilli. Et les me dire que je voulais prêt, ce n'est pas ton problème encore là pour moi, pour te consommer, pour te dire voilà, mais pour que ça là, mais ça l'a fait, mais ça l'a pas fait. Et jusqu'à présent, à chaque fois que je fais ou nouvellement prêt, moi, à chaque fois que je fais examen, c'est toujours même comme si, même accueil là, c'est toujours on. C'est comme si mon nom puisse venir. Tellement bien accueilli, je viens faire plein que moi-même, je viens venir. Donc, côté pas, je n'ai pas eu aucun problème pour moi aller dans la clinique, ne faire quoi que ce soit. Par contre, bon, pour moi, c'est pas rien ça. Ok. Là, nous prenons fini. Question pour Dr. Smith. C'est pour qui ça nous doit encourager Mounio à utiliser pré-plan? Qui ça, ça capote en plus pour la communauté, hein? Mais tout pour le pays? Hein? Bon, nous encourager tout le monde qui arrive d'abord chercher des informations sur PrEP et chercher côté que vous avez une PrEP. L'avantage que vous avez, c'est que vous avez qu'à vivre avec habitude sexuelle, mais tout en réduisant le risque pour prendre VIH-SIDA. Maintenant, pour la communauté, d'abord, nous allons aller vers diminution de quantité de monde dans la communauté, dans le pays qui a VIH-SIDA. Et pour le pays, nous voulons aller vers l'objectif OMS 2030, côté que avec génération de zéro sida, pour y avoir ces zéro nouvelles infections. Donc, nous pensons que le peuple a son gros moyen qui pourrait mener nous vers l'objectif ça. Et nous avons dit encore, on songe que lorsqu'on se passe, il y a moins de monde malade ou il y a plus de monde qui a produit. Donc, effet positif pour le pays, là, pour l'effet économique, parce que nous avons des jeunes qui sont pas malades, qui n'ont pas de travail. Et beaucoup de parents et Monsieur Pierre, nous t'aimons qu'on est. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui déjà encouragé à le faire pré-plan? Et maintenant tout, qui différence ou même qui sous pré-plan, qui différence ça porter dans l'avion? Nous dit tout de même notre fait pré. Les amis nous disent nous, nous notre fait pré parce que y a un genre l'autre nous à risque parce okay. Que nous ménage, nous ménage les gains. Et il y a un peu de gens qui n'ont pas besoin de ménage. Donc, nous disons que faire propre parce que il y a un moyen plus cassio que le papa VIH. Donc, c'est comme ça que je pense que je suis responsable de tout ça. Et pour plan, ça le fait. Bon, je suis assuré que je n'ai pas besoin de VIH. Parce que je suis prêt bien, je suis le conseil. Et puis, ça va pas chez mes capotes parce que l'autre infection me perd tout. L'autre infection me perd tout. Donc, pour plus capote. Donc, je pense que je suis plus à l'aise, je suis plus bien. Ou pire responsable. Pire responsable. Voilà, je pense que Dr. Smith et M. Pierre, ben nous, toute information que nous avons supposé qu'on ait sous pré-plan, qui c'est prophylaxie pré-exposition, mais ça va empêcher avec l'ISA qui va le mettre en bas live, là, qui va être disponible pour vous, ou pour être capable de gagner une idée de qui centre ou qui aller ou qui diriger vers centre Sayo pour jouer plus d'informations encore et éventuellement faire expérience là, même j'ai avec M. Pierre qui fait expérience là, il est très satisfait pour lui-même et pas de plus bon traitement que ça. Mais vraiment, merci un peu à tout le monde qui t'a suivi en live. Ça. Merci d'abord à Dr. Smith qui t'a mis disponible. Merci à M. Pierre. Je m'a rappelé que vous suivez l'émission Info VIH à SIDA qui est une émission qui est live sur page en Facebook en campagne E égale E qui c'est indétectable égale et transmissible. C'est en campagne que Panos avec PNLS a mis en œuvre grâce à un financement de PEPFAR et USAID. Quant à moi-même, Malé, je vous rendez-vous en l'autre là encore pour l'autre émission. Bye bye tout le monde. Et puis, pas hésiter, partager live ça. Pas hésiter, partager sur tous les réseaux sociaux, non seulement sur Facebook, mais tout l'autre réseau social qui est disponible parce que vous vraiment pas compte qui est information ça qui est utile. Bye bye tout le monde. En l'autre là encore. Avec ARV, anti-rétroviro, n'abkebe la, n'abkebe ferm, n'abkebe di, yeah. Avec ARV, patience, persévérance, n'ab continue vivre l'amour, n'ab continue vivre la vie. Avec ARV, si vous continuez prendre chaque jour, virus la bral, vine.